Dit public, là, merci pour patience, lui, parce que nous avons nous battons des docteurs là. Et la raison qui fait, c'est que parce que je n'ai pas de visa américain et je suis déjà à Saint-Domingue pour me renouveler le visa américain. Hein. Mais malheureusement, j'ai fait plus que 2 mois, soit disant, après 4 docteurs là. Et bon, comme moi, le docteur là, ils ont dit ouvert, je n'ai aucun problème, je n'ai pas de cocaïne, je n'ai pas de violet, je n'ai pas de. Et donc finalement, j'étais bon visa. Mais j'étais venu dire que comme si j'étais un bon visa, mais que bagay, comme si on vend et y a gardé pour web. Bon. Moi, je remercie le gouvernement américain pour le bon visa, parce que en réalité, c'est privé les jours, je ne vais pas jouer ça. Mais ceci dit, je suis toujours Québec, même position. Même position à savoir que oui, que nous n'avons aucun problème avec le peuple américain, d'ailleurs, dans pile technique, dans la chirurgie, c'est le chirurgien américain qui monte mieux. Même les familles qui sont dans l'armée américaine. Ceci dit, la Naval sont propriétés de l'État haïtien. Ça ne va pas négocier. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, normalement, je venais là, les patients. Moi, écoutez, mon d'après chance que d'assassiner le président de la République, c'est que pendant une bénédiction, qui est le patron qui est en Amérique. C'est numéro 2. Numéro 3, on a un gros intérêt aux mafias américaines avec aux mafias nationales pour les mines qui sont dans le pays d'Haïti. Et là, on a parlé de l'affaire de l'opération police qui a fait contre les gangs. Monsieur, papa, c'est une bêtise. Si les gangs n'ont pas de munitions, ils ont volatilisé depuis longtemps. La regardez la moi Jacques Mel, c'est une bonne circonvolution. Moi, le bijard Jacques Mel. Longtemps, on était pour machiner en deux heures, nous, Jacques Mel, ou bien on va là pour un bus sans problème contre vous, Jacques Mel. Donc, on a toujours dit même bagaille. En réalité, tout ce qui est fait là, ils ont l'idée et ils ont le plan, ils ont stratégie. Et on a toujours vu que toute prophétie docteur Lage toujours réalisée. Premier prophétie, je me dis que premièrement, le Premier ministre a sorti des tiroirs de la Banque mondiale. Effectivement, mon Premier ministre qui sorti des tiroirs de la Banque mondiale. Et avec tout respect, nous avons pour compétence Gary Conny, il n'est pas un Premier ministre, il est un gouverneur. Mon job que j'ai fait. Deuxièmement, je me dis que deuxième bail, c'est au niveau de la Constitution, il y a vraiment un. Pour qui ça? Parce que la Constitution, il y a 2 bails là-dedans que vous avez. Oui, il n'y a pas le temps de parler de l'IA. C'est affaire de 50 balles à terre. C'est pour l'État haïtien. Je vous ai mon article ça, que l'offinage comptait 50 balles pour tout. Mais il faut remarquer que la majorité des terrains dans la zone pour dire non, côté ça, Caris, côté de l'OIO, est acheté. Je ne vais pas vous nous. Donc ça veut dire qu'à partir du moment que vous m'avez un article, ça veut dire un bar pour vous. L'autre article que vous avez dans la Constitution, c'est le Sénat. Ça. On ne peut pas oublier que jusqu'à présent, si vous avez un peu de ratiboiser tout le monde, c'est parce que, malgré tout, le Sénat ici est en opposition. Donc vous avez retiré le bail. Tout le reste sont blagues. Il n'y a pas de changer, il n'y a pas de mettre vice-président pour série de bail. Et pendant ce temps, il y a une bonne grimace qui a marché des scènes, qui a parlé avec diaspora, qui a expliqué diaspora que moi, la Constitution et puis Belba, elle est taillée pour eux, parce qu'il faut renforcer le rôle de la diaspora au sérieux de la droite. En réalité, ce n'est pas ça le problème. Le problème là, c'est dans Sambou, là, par des mines là, que vous avez cherché. Numéro 3, on peut le voir, après très, soi-disant, on poursuit ces élections. Par exemple, M. Blinken, paraît la photo presse, déclare carrément. Dégagez-nous. Nous besoin président, nous besoin parce que en réalité, nous avons besoin d'une série de gros bails qui pour faire de gros exploitations des mines de Baïsayo, il faut que gagner une sorte de président, il faut qu'on figure, il faut gagner des députés, bon, par contre, c'est le Sénat toujours, il faut qu'on ait avec un rôle plus figuratif, mais de toute façon, nous avons besoin de Baïsayo. Encore une fois, moi je dis que dans les prochains mois, ou pas le bon élément qui a sorti et qui n'a pas fait partie de l'une de nos mounsaïs. D'ailleurs, ouais, que les gens commencent à faire place nette, ils commencent à
a bay moun canet on rentre dans deux ouais président Miki c'est qu'on y a découvert que batté dit dans drogue et puis dans son bas extrêmement extraordinaire pour moun que a accusé qui dans drogue qui aux États-Unis yo pas ni mettre de aux États-Unis même yo pas mettre nous yo pas être trop procès pour ça veut dire que où exactement qui j'ai bay ça après donc ou voir le bon moun qui a sorti et puis ou attendre comme si m'dadou bon machine qui va le faire son bas extraordinaire ou après dans WhatsApp ou après dans réseaux sociaux ou après une série de bagailles ou après l'argent ou après sac Giry ou après sac Simon série de bagailles deux temps trois mouvements ou après des instituts de sondage à Boel Monté parce que il a le choix de mafia américaine coalisée avec mafia haïtienne. Alors forme du tout que pendant nous tous nous n'ont pas perdu du temps nous avons fait deux émissions et au niveau de la télévision dominicaine t'es gagné on a de faire avec Revista 110. L'émission, c'est le plus populaire dans Saint-Domingue. Et côté que nous t'ai dit, Dominique, que moi-même personnellement, je me dis qui s'amient, je me dis que nous sommes blancs, je me dis non, pas blanc, parce que même noir. Il me dit que je suis descendant de deux généraux qui ont signé la guerre de l'indépendance et je suis descendant de juste Chandra qui est le secrétaire des Andes. Côté tout, que je t'ai parlé, que pendant que tu as parlé de Haïtien, je me dis oui, mais ce n'est pas l'Haïtien, nous allons camper. Parce que toute croissance dominicaine actuellement est basée sur les Haïtiens. Et me font l'autre émission encore, côté que je tape fait la restauration, côté je tape parler de l'arrêté métis par le dehors. Et me pose une question, je ne sais pas si nous sommes Santo Domingo, puis go avenue Santo Domingo, il est Abraham Lincoln. Je demande qui le premier nom avenue Abraham Lincoln. Personne ne connaît. Le premier nom avenue Abraham Lincoln, c'est avenue Femme Nicolas Geoffroy, qui est le président d'Haïti, qui c'est lui qui permet nous que nous mettons et parole le dehors. Et que c'est lui, par contre, parce que nous avons voulu les tirailleurs. Et pendant ce temps, nous avons un haïtien tout quoi comme ça. Que c'est nous-mêmes, les tirailleurs de la garde qui avons le gourmet côté espagnol, qui nous permettent pour les Dominicains de refaire restauration. Évidemment, je ne vais pas prononcer un mot de femme Nicolas Geoffroy dans toute manifestation, dans toute célébration. Mais heureusement, il y a un docteur Lage qui peut défendre l'honneur de la patrie haïtienne qui a parlé de Baïsa. Comme du tout, là, nous avons tourné, nous avons allé à Wanamet, et côté que nous avons fait, et nous avons. On m'a dit que c'était un artiste qui était avec nous et qui était dans le canal Wanamet. D'ailleurs, on peut mettre que nous allons faire une clinique pour eux. Nous allons dans cette rose de Lima, dans la Grande Rivière du Nord, côté nous faisons une clinique en collaboration avec Vision Plus. Et pendant la tournée, nous avons bloqué mes balles côté de la population qui a déclaré que ce n'est pas possible, il n'y a pas qu'à arrêter un babcou électrique dans le pays et puis couper le courant. Alors, affaire de gars économiques avec l'obéi, affaire de banque mondiale qui coupe le courant. Et nous t'es donc solidarisé nous avec les populations qui t'ont manifesté pour Baïsa. Donc actuellement, on a une situation effectivement que on pourrait des bails de police, des bails de ceci, des bails de cela, mais pas vous déjà que solution gouvernement, il pense solution militaire. Il est impossible. Voilà, ouais, vous faites deux trois bagailles, vous faites deux trois bagailles, mais en réalité, il pense solution militaire parce que tant qu'on peut comment non là. Côté gang yo sorti avec zam yo. Côté yo sorti avec munitions. Parce qu'on va pas dire que Kenya, que 200 millions de dollars dépensés pour Kenya, ou que l'armée d'Haïti, ou que la police nationale, et puis qu'on est même pas capable de kembe fonjan avec Bandi. Ça veut dire que Bandi a un approvisionnement. Et même mais kap approvisionner la police nationale, c'est lui qui a approvisionné Bandi. Parce que gagner un projet pour Haïti, comme je dis, projet ça, c'est mettre nos connaît, c'est bon président. Pas eux, pour faire ça, vous voulez, avec le pays d'Haïti. Pays du monde, on va jamais entendre, on va faire des bêtes cette tête. Et on va arriver dans une situation que le pays est ingouvernable. Parce que nous, notre tête, par exemple, nous bagaille, mais qui n'a aucune valeur, puisque l'autre, là, démentit. Regardez ce qui a passé, par exemple, dans l'affaire du directeur départemental de la Tibonite. Pour moi, directeur départemental de la Tibonite, ce sont des docteurs Enoch Savin. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant que j'étais directeur arrondissement de Salines. À chaque fois, à l'hôpital Clair-Heureuse, j'ai toujours travaillé avec lui. Ce sont des gens qui travaillent très bien. Comme directeur départemental, je n'ai rien à vous dire à docteur Enoch Savin. Bon, mais il se trouve que le ministre l'a révoqué. Sans que le Premier ministre là-bas même signé. Donc c'est pour me dire, mais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que chaque tête, il y a un ministère par eux. Et en réalité, ça qui est intéressant, ce n'est pas tellement la mort du ministère. C'est fait quoi?
Comment, par exemple, les montent les palavres au plus du moucher, mes états de direction générale. Mais direction générale, c'est pas comme si je me disais pour faire payer en machine. Direction générale, c'est pour bah, au corps. Et pour faire quoi? Et pour faire quoi? Pour préparer l'élection, pour faire plus quoi? Donc ça veut dire que c'est sept loups. Au moins, même dans l'Apocalypse, ça veut dire que c'est sept loups qui ont jappé. Au moins, ça veut dire. Et là, je ne parle pas de samba et personnel, parce que là, je suis bien avec eux. Mais je parle en termes de patrie, en termes de pays. C'est le descendant, le général Marc-Lamboise, qui n'est pas capable de garder le pays pour aller dans le fatra. Donc, c'est à ce niveau que nous disons que ça qui a passé, hein, son bagage qui n'est pas arrivé aucun côté. Et malheureusement, son bagage, ce n'est pas la volonté du peuple haïtien, c'est volonté d'une bande de mafias qui agit pour le peuple haïtien, qui est capable de mettre dans une situation, qui est capable de tout faire croire sur ce qui a été l'honneur de la patrie. Mais est-ce que. Et ou bien elle doit voler en éclat, ou bien elle doit quitter le conseil. Parce que Jean Doulan et Buba est là. C'est pas tellement que un bail qui fonctionnait. Le but, parce que faut comprendre qu'ils sont mafias, messieurs. Mais but mafia, c'est pas que le pays a gouverné. But mafia, précisément, il y avait des sept têtes pour une mouvement à l'autre, et puis pendant sept ans, gouverner à lui-même, il fait ça le vrai. Ben, il fait ça le vrai, il fait ça que papa le fait. Vous comprenez? Donc en réalité, monsieur Sayo, problème y a grand chose, c'est pas un problème comme Simdadou de gouvernance. Problème des gagnants, c'est comme si Mdadou, son problème de mon cher, mettez tel monde tel côté, on va nous mettre pour le faire quoi, moi-même, Mdadou, mettez tel autre monde, on va ah mon cher, ça est pour moi lié, ça est pour moi lié, c'est comme si Mdadou, on bon chien quartier, on côté rivé, puis mon chien gounon, ça est quartier Pamelan, là, c'est ça seulement gagnant. C'est-à-dire que pas aucun rien de gouverner, sont uniquement question d'intérêt ou de questions comme si Mdadou, de job, de direction générale, de radote, de bullshit, de ce genre. Pas rien de patrie, n'est pas ça. Et moi, je vous la vérité. Un grand reproche m'a fait à l'intellectuel haïtien et un grand reproche m'a fait également à la diaspora haïtienne. Parce que nous étions là. Pendant ce temps, un bon employé, Banque mondiale, qui a venu parler avec nous, Foubizor et nous, bon tété. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas mettre nous en bloc. Nous paraît devant M. Démocratio pour nous dire, messieurs, ce n'est pas possible. Bonnes âmes, ça y est. Cap sorti dans le pays des États-Unis, il est pour nous camper la gaïsa. Et jusqu'à présent, nous pouvons jamais mettre ensemble, pour réfléchir, pour garder qui plan que nous cap gagner pour le jour où nous aurons un gouvernement établi dans notre pays et qu'à Dieu plaise, un gouvernement qui n'a que les palpitations du cœur de Dessalines, à partir de ce moment, nous avons gagné des plans. Déjà prêt pour que le pays en aller de l'avant. Bon, je n'ai aucun monde, un conseil d'équipe de recherche, d'équipe de discussion, de débat de ce genre, même pas qu'on personne. Contrairement à ce qu'a fait en République Dominicaine, côté des gars, réfléchi, parce que moi-même, aller rencontrer avec le président de l'association des industriels et des commerçants du Cibao, de Santiago de Los Caballeros, rencontrer avec des membres des chambres de commerce, rencontrer avec des entrepreneurs, côté Wakoué, que des groupes de recherche. Cap réfléchi comment nous capables d'augmenter la valeur ajoutée de la sous-traitance. Et moi-même, dans nos interviews que j'ai avec eux, nous avons une discussion sur le SAO, que j'ai dit avec problème que nous avons même, parce que qu'on balance commerciale qui a causé, nous avons intérêt à foncer de joint venture avec la République d'Haïti. Mais ou pas, ouais, côté intellectuel, nous, par exemple, à réfléchir, qui est nous capables de monter les semi-conducteurs en Haïti. Qui sont nous capables, par exemple, Saint-Domingue actuellement, à exporter pour 1,2 milliard de dollars de matériel médical. C'est-à-dire que nous-mêmes sommes bonnes vieilles, petits bagailles et petits robes qui ont un coup de aiguille. Où est notre élite intellectuelle? Où sont nos élites? Non, c'est Goumet nous-mêmes, ça a pensé, attendre que nous-mêmes, que l'homme des Américains paraît, et puis à le voir nous pour exécuter les contrats de la Banque mondiale, et puis foutre le pays en état plus mal qu'il y a actuellement. Est-ce qu'on peut penser que c'est les machinations américaines qui. Qui gagne en prise sur tout là. Non, on pas arrêter map sous des soins américains seulement. C'est-à-dire que, comme je dis, le diable vini, c'est-à-dire que le diable par exemple vini, sont pas interpellés. Satan par exemple vini, comme si Mdadou, sont pas font interpellation. C'est-à-dire que si pour le vini, c'est-à-dire que c'est au même tout qui ouvre le combat. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons une grande part de responsabilité également dans le bagage qui fait là.